Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Le vent, sans doute qu'on va l'entendre, mais je sais pas, j'essaierai d'enlever les graves. S'il n'y a plus du tout de graves, c'est que j'ai tout vu, c'est que ça sortait. C'est pas grave, on se fait un petit truc pour continuer un peu notre double stop. On a vu l'autre jour les mouvements obliques, ok? C'est-à-dire qu'une note restait et puis on faisait bouger le reste, d'accord? Ici, si on est en la, ok? Vous allez pouvoir avoir des mouvements un peu plus parallèles. C'est-à-dire qu'en fait, les deux notes de votre double stop bougent parallèlement du même intervalle. C'est ce qui se passe quand on vous fait. Quand on fait. Ok, là ça bouge. Ok, ça bouge ensemble, on reste en tierce. Là c'est une tierce majeure, là c'est une tierce majeure. Puis ici par exemple, je peux me dire que c'est des quatre, des quartes. Ça pique un peu avec le vent et le froid, le chaud, là ça change, donc ça ne comprend plus rien. Parallèle, là je garde que des quartes. Les quartes, ça sonne moderne. Ok, c'est parti pour les quartes. Putain, le vent! Ah, c'est le délire. Là, il y a des bambous ici, des espèces de roseaux. Tu verrais ça, c'est du délire. Bon, j'espère que vous avez entendu un peu ce que j'ai dit. Sinon, bah, vous verrez jamais cette vidéo, c'est pas grave. En attendant, n'hésitez pas à aller vous former parce qu'il y a quand même des chouettes trucs à faire avec les formations, d'accord? Allez, le lien pour vous former, il est dans le premier commentaire sous la vidéo. Bye bye, ciao! C'est magique, c'est beau hein. Mais maintenant qu'il n'y a plus de soleil, tu peux changer d'angle. Hein Marthe, Léon? Là, je fais une petite vidéo comme ça. Ah, mais t'as coupé là-bas?